Au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui s'inscrit dans le cadre de l'animation scientifique de ce département ministériel. Sous la dénomination « Le mois de la recherche », ce rendez-vous mensuel est une plateforme d'échange sur de grands problèmes socio-économiques auxquels les populations sont confrontées au quotidien. Elle donne l'occasion aux chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et utilisateurs des résultats de la recherche d'apporter leur expertise intellectuelle au développement de notre pays. Cette tribune est ouverte à tout intellectuel, à tout savant, à tout innovateur qui excelle dans un domaine précis de la science ou de l'innovation et qui veut participer au développement socio-économique du Cameroun à travers ses idées pertinentes. Il n'y a donc aucune discrimination dans le choix des conférenciers. Le MINRESI veut par cette plateforme mettre ensemble les chercheurs de tous bords afin de mutualiser les intelligences et faire avancer notre pays vers l'émergence à l'horizon 2035 que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, appelle de tous ses voeux. Le thème qui retient notre attention cet après-midi est donc opportun, puisqu'il est intitulé, et vous le savez déjà, « Contribution de la recherche scientifique à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035 ». Avant de présenter Dr Thomas Dormo, notre illustre conférencier, permettez-moi de vous présenter le programme de cette conférence. Nous aurons dans un premier temps la présentation du conférencier, ensuite les échanges, et à la fin de la conférence, nous aurons une photo de famille. Sans plus attendre, mesdames et messieurs, honorables invités, voici le portrait de notre illustre conférencier. Dr Thomas Dormo
est parmi les premiers directeurs de recherche issus du corps des chercheurs du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, fils de Domo Thomas et de Kiaxo Pauline. Ses études primaires, il les fera à l'école catholique de Valepro, qu'il quitte avec en poche son CEPE. Le concours d'entrée au CES de Bouddha lui ouvre les portes du secondaire. Il accède donc ensuite au lycée de Cham, où il obtient son baccalauréat le 11 septembre 1978. En 1984, le diplôme d'ingénieur agronome à l'École nationale supérieure agronomique avec la mention honorable. Il est par la même occasion major de l'option production animale. Ses travaux portaient sur le thème utilisation de la farine de graines de soja cuite dans l'alimentation des poulets de chair à des doses de 20, 25, 30 et 35%. Il s'envole ensuite pour la France grâce à l'obtention d'une bourse. Il s'inscrit à l'université de Rennes 1 où il obtient le diplôme d'études approfondies en biologie et agronomie dans la section sciences et philosophie en 1988 avec la mention assez bien. Le thème de son mémoire était « Alimentation de la poule pondeuse en climat chaud ». C'est encore à l'université de Rennes 1 que Dr Ndongo Thomas décroche le 1er juin 1993 son doctorat avec la mention très honorable, avec comme thème de sa thèse « Effet de régime alimentaire contenant du tourteau de coton ou du gossypole libre sur la reproduction des coqs ou des poulets ». Il intègre la fonction publique le 12 juin 1984 en qualité d'ingénieur d'agriculture et le 22 octobre 1984, il est recruté par le ministère de la Recherche scientifique dans sa configuration de cette époque-là. Il va tour à tour gravir les marches d'accès aux grades les plus élevés. Ainsi, il est attaché de recherche en 1985, chargé de recherche en 1988, maître de recherche en 1996. 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 2011, le 19 octobre précisément, il accède enfin au grade de directeur de recherche grâce à l'heureuse initiative de Dr Madeleine Tuente, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui décide de l'évaluation des chercheurs tous les 2 ans afin de leur permettre d'évoluer le plus rapidement possible en grade et de peaufiner ainsi leur carrière. Docteur Thomas Dormeau est donc directeur de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement et l'actuel chef de la division de la coopération scientifique et technique au MINRESI. Des fonctions qu'il occupe depuis janvier 2006. En tant que tel, il s'est attelé à finaliser un certain nombre de conventions au niveau national et international avec le MINMESA, le FODEC, le CIRAD, la FRDC, le Nigeria, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, l'Égypte. Au niveau international, il a participé à l'élaboration des projets de recherche soumis pour financement aux Émirats arabes unis, à la Chine, à l'Inde, au Brésil et au Japon. Avant d'accéder à la prestigieuse fonction de chef de division, Dr Ndongo a occupé de nombreuses autres fonctions administratives, notamment secrétaire permanent du comité de suivi et de gestion de projets PPTE du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Il a d'ailleurs, en cette qualité, contribué à la préparation du projet C2D du MINRESI sur la recherche agricole, du projet PPTE sur le palmier à huile de la Dibamba. Il a coordonné le suivi des projets PPTE sur les semences de base à l'IRAD, le projet IADM sur la valorisation des matériaux locaux à la Mipumalo. Chef de projet recherche action sur l'agriculture urbaine et périurbaine de Yaoundé sous fonds de recherche sur base compétitive PNVRA, Banque mondiale de 2001 à 2004. Chef de centre régional de recherche agricole de Golbisson, un centre disposant de 91 chercheurs et couvrant la province du centre, du sud et de l'est. Durant cette période, il publie une quarantaine d'articles scientifiques et crée un journal au Centre régional de recherche de Golbisson intitulé « Cran et Co ». Chef de la cellule d'exécution du contrat plan entre l'État du Cameroun et l'Institut de recherche agricole pour le développement de 2001 à 2002. Chef du projet SIUPA, Strategy Initiative on Urban and Peri-Urban Agriculture, en collaboration avec IITA, volet élevage de 2001
à 2004. Chef de la ferme d'expérimentation et de démonstration zootechnique du centre de Corbisson de 1997 à 2000. Chargé du suivi des opérations de recherche en production animale et de la gestion de la ferme dans le cadre de la production des volailles, des porcs, des lapins, des chèvres, des bovins et des hérissons. Chef de la section d'appui scientifique à l'IRAD de 1997 à 2000. Son rôle consistait alors à coordonner les activités de recherche du Centre régional de recherche de Corbisson. Chef section volaille à l'IRAD de Corbisson avait pour mission le suivi des activités de recherche dans le domaine des volailles au Centre de recherche de Corbisson. Dr. Ndongmo a fait et fait encore partie de nombreuses sociétés savantes, entre autres la World Poultry Science Association, le Comité camerounais des biosciences, le BITIM pour le développement du minier et élevage de Belgique, le Conseil international de la rédaction du journal camerounais des sciences agricoles. Il est auteur de plusieurs publications scientifiques et encadre des étudiants du Centre universitaire de Tchang et de l'Université de Yaoundé 1 dans la rédaction de leur mémoire, tout en participant au jury de soutenance. Dr. Thomas Ndongmo est marié et père de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. Il dit encourager les jeunes à travailler sans relâche et à croire en leur pays, quoi qu'en pensent certains. Pour lui, il faut miser sur les jeunes si l'on veut voir notre pays décoller. Il croit en la jeunesse et cela se ressent au sein de sa petite famille, maintenue sans doute grâce à son sport favori, qu'est la gymnastique. Mesdames et messieurs, voici notre Ndongmo Thomas. On applaudit beaucoup. Dépendant des ministères territoriels, ce directeur du CIFOR, ce patron du CIRAT, chers invités, mesdames, messieurs, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez trouvé pour venir assister à cette conférence. Ce qui est étudié sa contribution de la recherche scientifique à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Alors, quels sont les critères pour être émergent? Selon le Philippe Gouin, qui est professeur émérite à l'Institut des relations internationales et stratégiques, il y a le taux de croissance économique, la taille de la population, la diversification de la population, l'importance des exportations et des importations, l'intégration au monde financier international, le rôle stratégique de l'État pour le développement, les investissements dans la recherche et le développement, et la capacité à protéger le territoire national. Alors, le GICAM insiste beaucoup sur deux critères. Il s'agit de la croissance économique durable sur au moins 20 ans et l'exportation des produits manufacturés à forte élasticité de la demande mondiale. Alors, les pays qui vont nous concerner, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Alors, ces critères sont tellement nombreux. Bon, nous, on a choisi ceux qui sont là, la population, les PIB par habitant et l'indice de droits humains, le taux d'alphabétisation, l'espérance de vie, l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau. Alors, ce tableau nous montre un peu la population de ces pays-là. Donc, le Brésil, ça fait 211 millions d'habitants, 243 000. La Chine, c'est 1 milliard 398 000 habitants. Voilà, donc, 8 millions, s'il vous plaît. L'Inde, 1 milliard 342 millions d'habitants. Nous sommes avec 1 million 713. Vous voyez aussi un peu le PIB. Vous voyez que ces pays ont des PIB qui sont très proches des PIB des pays européens. Alors, le Brésil, il y a 15 000 dollars. La Chine, bon. Alors, c'est l'Inde qui est un peu plus bas. La Russie a 23 000 dollars. L'Afrique du Sud, 13 dollars. Bon, le Cameroun, vous voyez, la Russie et la Chine sont autour de, à plus de 0,7. La Russie à 0,8. Bon, l'Inde à 0,6. L'Afrique du Sud, 0,6. Et nous sommes encore à 0. Nous sommes à 0,51. En ce qui concerne le taux d'alphabétisation, vous voyez que ces pays sont alphabétisés. Alors, le Brésil, la Chine, à plus de 26%, l'Inde à 69%, la Chine à 29%, l'Afrique du Sud à 28%. Bon, nous sommes à 75%. Bon, maintenant, en ce qui concerne l'espérance de vie, qui est très important, vous savez que dans les pays développés, ils sont autour de 80 ans. Alors, ces pays, le Brésil à 74, la Chine à 76, l'Inde à 68, la Russie à 70. Alors, le Cameroun, nous sommes encore à 56 ans.
concerne l'accès à l'eau, l'électricité, vous voyez bien que ces pays ont un accès à l'eau de 90%, soit pas 76%. Alors, en ce qui concerne l'électricité, vous voyez que nous sommes encore très bas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics mettent beaucoup d'argent pour construire des barrages, pour qu'on puisse avoir de l'énergie. Dans ce tableau, nous, on a voulu montrer un peu ce qu'exportent les pays émergents. Le Brésil, c'est les minerais. La guerre, c'est un grand pays producteur de viande, ça, c'est l'esprit et le sucre. Alors, la Chine exporte le matériel électrique, les ordinateurs et les fournitures. Bon, l'Inde, pour les véhicules, pour les ordinateurs. La Russie, il y a des machines, des engrais et des fournitures. L'Afrique du Sud, qui est le plus véhicule, minéré, machine. Alors vous voyez que le Cameroun, ce qui est bien intéressant, c'est que nous, on n'exporte pas les produits bruts. L'huile brute, le bois, la banane, l'aluminium, le cacao, le coton, café, l'huile de palme. Et là, alors, maintenant, le Cameroun a un cadre pour être émergent. On a essayé de regarder un peu le plan de la vision et de plan de 5% qui existe. Alors, maintenant, on a essayé de voir les parties qui interprètent la recherche. Alors, ce document a été adopté en 2009 et bien en 2010. Alors, les organisations statutaires se portent sur la vision du document qui se porte sur le Cameroun, un pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité. Alors, quels sont les objectifs de la vision? C'est réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable, atteindre le stade du pays à l'avenir intermédiaire, devenir un nouveau pays industrialisé, consolider le processus démocratique et renforcer l'unité nationale. Alors, tout dans l'objectif, l'objectif est de porter la croissance 5,5% en moyenne. De 2010 à 2020, au début, elle est montée, aujourd'hui, elle reste un peu. Alors, ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020, avec la création de dizaines de milliers d'emplois formés par an dans les 10 années de mise en œuvre. Ramener le taux de pauvreté monétaire de 3,9% à 2020. Alors, pour atteindre ce objectif, il y a trois axes fondamentaux qui ont été identifiés. Il y a l'axe de stratégie de croissance, l'axe de stratégie de l'emploi et l'axe de stratégie de gouvernance et de gestion stratégique. Alors, l'axe 1, qui repose sur 5 piliers, il y a un meilleur accès aux infrastructures, un appareil de production plus performant, un capital humain solide capable de soutenir la croissance et une dynamique d'échanges commerciaux plus offensifs, ambitieux et innovants, et le financement du groupe des investissements. Alors, le pilier 2, c'est là où l'argent a un grand rôle à jouer. Ici, il s'agit de moderniser l'appareil de production. Alors, là, il s'est mis l'accent sur l'accroissement des productions agricoles, animales, halieutiques et forestières à travers la mécanisation et l'innovation. Augmenter le rendement et les superficies agricoles de l'ordre de 30% par rapport à 2005. L'agriculture plus intensive dans les filières porteuses de croissance, perte d'emploi. Des productions animales qui satisfont les besoins nutritionnels des populations et qui dégagent des incidents pour l'exploitation. Ce qu'on a essayé parce que là, on pense que là, l'argent a un peu rôle à jouer. Alors, toujours dans ce pilier, il y a l'exploitation et la transformation des gisements miniers. Une chaîne de valeur développée dans les agro-industries et mettant en place systématiquement des plans de développement, des industries de transformation, des produits du terroir et ce que c'est sur le secteur industrie animale. Elle a besoin de la compétitivité, la normalisation, la qualité dans l'entreprise. Dans ce pilier, cette page nous indique clairement des choses que le domaine dans lequel la recherche doit avoir une assurance. Alors, quels sont les atouts du Cameroun pour cette émergence? Au Cameroun, la jeunesse, les moins de 24 ans sont à 62%. Le bilinguisme, que beaucoup de Camerounais ne se rendent pas compte, est un atout majeur pour aller à l'émergence. Alors, le taux d'apprentissage. Bon, alors, les derniers chiffres nous donnent une population qui est très alphabétisée. Un point qui est important, c'est que l'entrepreneuriat féminin au Cameroun est en train d'aller très vite, aujourd'hui, à près de 25%. Alors, il y a beaucoup de pays où le sexe féminin n'a pas voix au chapitre. Le Cameroun est une population qui est dynamique. La population est diversifiée. Et puis, il y a un point important, la diaspora camerounaise. C'est la diaspora qui n'est pas suffisamment exploitée. Vous savez, 2016, la part de la diaspora à l'économie camerounaise était de 535 milliards.
Donc, être à faire cette diaspora. Alors, on a une climatique qui est diversifiée. C'est-à-dire que dans notre pays, on peut produire tout ce qu'on peut produire en Afrique. Parce que le climat va de la zone équatoriale jusqu'au Sahel. Et puis aussi, un autre point fort, c'est que le Mirésie vient de recruter 427 nouveaux chercheurs. Alors, parmi les atouts, il y a la volonté politique. Bon, là, nous avons essayé d'extraire dans les discours de l'État les points où il a insisté sur l'émergence. Alors, on a commencé par son discours qu'il a prononcé à Egolova. Egolova, notre commune dit, le Cameroun compte avant tout sur le secteur primaire, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'artisanat, pour les pays à l'automne 2015. Il a également dit, il n'y a pas de grand pays sans industrie. Même notre agriculture, dont j'ai à dire qu'elle est notre principale richesse, a vocation, elle aussi, à devenir industrielle. Il a continué, il n'y a pas de raison valable à notre lenteur à développer des industries de transformation de nos matières premières d'origine agricole. Ça, c'est en fait. Alors, ce document nous montre clairement que la volonté politique est affirmée. Alors, quels sont les acquis de la recherche aujourd'hui? Qu'est-ce que la recherche a pour aller à l'émergence? À l'IRAD, la création des semences au rendement qui a permis à l'IRAD d'accueillir près d'une vingtaine de brevets. L'IRAD met au point au moins une seule variété d'haricots dans le bassin de l'Ouest. Une bonne partie aujourd'hui est en train d'être reproduite à Dar es Salaam. L'IRAD met au point les semences de riz pluvial, actuellement cultivées dans toutes les zones du pays. L'IRAD a mis la variété de sorgho qui est exploitée par la Guinness qui fait aujourd'hui une abeille Guinness qui a une spéciale. L'IRAD a remporté des médailles d'or au Salon international des mentions de Genève en Suisse. Toujours au niveau de l'IRAD, le centre, sans la Dibamba, vous savez très bien, ils ont invité le ministre à venir là-bas prendre des royalties. Donc, depuis une question de temps, la Malaisie va commencer à nous payer des royalties pour les semences qu'ils sont venus ici pour prendre chez nous. Alors, la question des semences hybrides qui sont par la suite transférées au MINADER à l'application d'une convention qui lie les MINADER à nous, ira mieux en place au point des procédés de fabrication des biscuits à base de maïs sélectionnés, et puis le cacao naturel, la fabrication du biscuit à base de cacao. Et les procédés de fabrication de lait local et de plusieurs types. Les procédés de fabrication de farine de manioc enrichie de protéines. La mise au point par le travail des meilleures collections de bananiers, de plantains, des œufs exportés dans la sous-région centrale et l'Ouest. Aujourd'hui, l'agriculture sélectionnée en Côte d'Ivoire, c'est le maïs plantain. Je crois que c'est le Karabakh qui est en train de mettre en place de nouvelles cultures là en Côte d'Ivoire. Au niveau de l'IRGM, alors, la mise au point et l'installation sous la conduite de l'Institut de recherche géologique et minière, des petites gazades du Larnios, des Nios Mounou. La création par la suite des foyers améliorés, des séchoirs solaires hybrides, des briquets de silure, les cartes géologiques et des ressources minières du Cameroun, les cartes des sismes d'anciens et récents, les cartes montant des stations du réseau hydrologique national. Au niveau de l'INC, cette institution a mis au point un logiciel permettant d'éviter le changement des parcelles de terrain des exploitants miniers. L'utilisation des applications du système d'information géographique dans les tablettes smartphones qui comportent des GPS internes pour le suivi des projets de développement et la gestion du patrimoine. Les applications ont également permis de fabriquer des GPS commercialisables pour la circulation au Cameroun. C'est la nouvelle couverture aérienne d'une partie du territoire national. Au niveau de l'IMPM et la fabrication de plusieurs médicaments traditionnels, la mise au point du combat antimicrobique, le CASMIC, qui a permis à l'IMPM de remporter en 2014 au Salon de Genève la médaille d'or de l'innovation. La mise au point de la pommade antibactérienne Tamersine, fabrication par le même institut d'aliments complémentaires, nutritionnels et thérapeutiques, ainsi que les paris proposés en établissement pour les personnes qui ont avoué le VIH et celles qui souffrent du diabète. La mise au point des huiles essentielles dispensables pour la fabrication des cosmétiques. Les paris composés et d'enrichissement. Au niveau de la Pivano, il y a la production industrielle des briques de terre cuite, la production des blocs de terre comprimés, la mise au point des ciments alternatifs, la production des ponts, des bâtiments de vêtements en pierre, la production des pavés à partir des déchets plastiques.
fabrication du poudron à base de poudrin, la construction des fours, chaudières et cheminées, la fabrication des carreaux sanitaires et cantines, du nouveau design gothique et des œuvres traditionnelles. Alors, maintenant, quelle est l'apport de la recherche donc pour les résidences? Alors, que doivent faire nos instituts pour accompagner les résidences? L'IRA doit valoriser, regarder la recherche, pour le faire déjà pour intensifier, diversifier et intensifier la production agricole pour résorber le problème de soins alimentaires. Il doit promouvoir le développement agricole dans les domaines de la production végétale, animale, halieutique, forestière, alimentaire, les technologies alimentaires, agroalimentaires, dans le but d'assurer le bien-être des populations congolaises. Intensifier les besoins prioritaires en investissement et d'appui en vue de moderniser et faire progresser les systèmes actuels de production. Atteindre les performances économiques souhaitées, à savoir le relèvement des exportations, pour générer des revenus substantiels, l'amélioration des conditions et du cadre de vie des populations, la force d'émergence en Cameroun à l'horizon 2037. Alors, au niveau de l'INPM, les chercheurs et ceux-ci doivent produire, évaluer ou mettre à disposition des populations plusieurs médicaments traditionnels améliorés, efficaces et à moindre coût contre les maladies prioritaires et des huiles essentielles et cosmétiques en grande quantité pour l'amélioration de l'état de santé des populations. Au niveau de l'INC, les chercheurs doivent mettre leur expertise au service de la nation pour l'actualisation des graphes topographiques des zones frontalières du Cameroun afin d'éviter les conflits avec les pays voisins. La production des plans guides des villes pour une amélioration efficiente du cadre de vie des populations urbaines du Cameroun. Au niveau de l'IRGM, l'IRGM a un rôle primordial à jouer dans le cadre de l'émergence du Cameroun par la maîtrise du potentiel des ressources naturelles du pays. Élévation économique pour le bien-être des populations par la gestion et la protection de l'environnement, la prévision des risques naturels. En effet, le gazage de l'arbre monoune a atteint un niveau tel que la quantité de gaz restant dans les lacs ne présente plus aucun danger pour les populations. En ce qui concerne les lacs, selon l'IAGM, sa circulation se situe au 70% grâce à l'installation des deux nouvelles colonnes de gazage, qui sont plus puissantes que les précédentes, ce qui améliore considérablement la sécurité au plus élevé. Dans le domaine d'achat appliqué au développement, l'IRGM intervient dans les études relatives aux différents projets d'assainissement, d'instruction d'eau, d'irrigation, d'aménagement hydroélectrique, d'ouvrage, de franchissement, d'aménagement d'espace afin d'assurer un mieux-être de toutes les populations. Au niveau du CNE, le CNE doit opérationnaliser les connaissances sur l'homme, la société et la culture, ainsi que sur l'environnement physique, économique et démocratique du pays. En vue de leur gestion, pour l'éradication de la pauvreté et ses conséquences telles que la crise sociale, l'exclusion des personnes vulnérables des flux sociaux émergents, favoriser la compréhension et l'activation des flux sociaux et les effets pervers des mutations ou des changements sociaux, tels que la reconnaissance de la criminalité, les causes et les conséquences des homicides, des suicides et des enlèvements en mode, la prévention et l'activation des crises de la famille, le chômage, la crise, la moralité publique. Au niveau de la RNP, elle doit renforcer les capacités de l'infrastructure nationale de radioprotection dans le but de protéger les populations et l'environnement contre les dangers des radiations ionisantes. Renforcer le travail technologique par les experts de l'AIEA et les capacités du personnel par leur participation à de nombreux cours qui leur permettent d'acquérir des aptitudes techniques afin d'être opérationnel à la radioprotection et à la gestion des déchets radioactifs. Au niveau du CNDP, ce sujet est chargé de la coordination, de la réflexion et l'information en matière de santé technologique. Elle doit jouer son rôle dans le choix des technologies étrangères susceptibles de contribuer à l'efficacement au développement socio-économique du Cameroun, dans la prestation à l'accès des acteurs économiques, aux informations et à la documentation technologique, dans la promotion des technologies locales et étrangères, dans la réalisation des études, analyse et adaptation technologique et relations gouvernement en matière de technologie. Au niveau de la Mikoumalo, alors pour l'émergence, elle doit promouvoir l'instauration d'une formulation adaptée de la ressource humaine à travers la mise en œuvre des filières et programmes de formation qui remontent aux gens du secteur. La transformation quotidienne accrue des ressources locales dans le domaine des liens hydrauliques, des céramiques cliniques, du verre, de l'acier, de l'aluminium, de l'énergie, le renforcement du transfert des technologies sur la production locale des équipements de transformation,
la poursuite de la mise au point des matériaux nouveaux, avancés et intelligents qui s'adaptent encore mieux à l'environnement à travers une recherche de points orientés vers le marché. Développement des modèles d'habitat adaptés aux différentes zones agroécologiques. Le développement des matériaux pour d'autres secteurs autres que l'habitat. Le renforcement du partenariat national et international au sein des structures de recherche, de formation et de valorisation du secteur. L'implication de plus en plus des collectivités territoriales décentralisées dans les secteurs de recherche, d'innovation, de valorisation des résultats ainsi que la mise en place des logements en matériaux. Et alors, quels sont donc les défis à relever pour devenir un PME? Premier point, c'est que il faut mieux communiquer sur la notion d'émergence. Aujourd'hui, dans le pays, ceux qui parlent beaucoup d'émergence, ce sont les objectifs. On doit communiquer. Il faut que les médias, la presse, les écoles, les lycées, les universités doivent parler de l'émergence. Il faut que les communes s'approprient de l'émergence. Parce que c'est comme un plan politique. Les médias en parlent un peu. Il faut que les communes, il faut qu'on s'approprie. Il faut que les médias soient autre chose. Le second point, c'est changement de comportement. L'émergence, ça ne va pas être changement de comportement. On pourrait dire que les pays émergents, c'est comme les pays développés. Or, les Camerounais on doit changer d'attitude. Les Camerounais, regardez un peu notre regard au feu rouge. Regardez un peu le vandalisme. Non. On doit se comporter comme des gens qui veulent être des pays émergents. Donc on doit changer d'attitude. On doit être. Les communautés doivent être correctes. On doit être patriote. Quand vous vous adaptez dans ce pays, que ce soit le pays, le Japon, la Chine, il ne faut pas comment ils aiment leur pays. Les communautés doivent aimer leur pays. Nous devons être plus disciplinés. Voilà, nous. On doit être disciplinés. Ça, pour le moment, ce n'est pas pour le temps. Alors, tout à l'heure, je vous ai présenté une longue des états de recherche. Bon, ces résultats sont me présenter chaque année au niveau des IRC. Bon, là, je sais que le passe au monde soit au niveau des IRC. Donc, il faudrait que le pays, qu'on crée des start-up, ou bien qu'on mette des moyens, que l'État aide les structures à créer les structures qui vont prendre ces résultats-là et les transformer en richesse. Donc, il faut encourager les start-up. Nous devons développer les partenariats. C'est vrai qu'on le fait déjà. Bon, on a essayé de partenariat avec le JICAM, avec la Chambre de commerce et l'industrie. À vous le MINESA, à vous le MINEPIA, il y a des problèmes là, c'est de les conscience. Donc, l'heure est venue, il faut mettre ces partenariats en œuvre. Il faut que cet état qu'on a cité là passe sur la collaboratoire pour aller chez les partenaires pour les mettre en œuvre concrètement. Il faudrait qu'on développe des clusters. Bon, nous pensons que ce développement d'entreprise est en partie des mêmes activités, des mêmes domaines. Qui sont entrés dans un territoire ou localisés géographiquement. Je sais que dans un document, j'étais devenu avec un document exemple, on peut faire des clusters. Par exemple, en Grande-Ville, on fait un cluster sur le puits. À l'est, on fait un cluster sur le bois. À l'ouest, un cluster à l'agro-industrie. Au littoral, on fait un cluster sur la pêche. Bref, il faut qu'on passe là-dessus au concret. Il faudrait aussi qu'on devienne des incubateurs. Le temps qu'on a été là, on est surpris. Mais aucun homme d'affaires ne peut préciser à prendre son argent pour se mettre à mettre ça à la recherche en face directement. Il faut qu'on mette en place des incubateurs. Qu'est-ce qu'un incubateur? Un incubateur, c'est une structure qu'on met en place pour apporter du conseil, pour aider, pour plus à montrer aux gens que ce qu'on fait là est concret. Donc il faudrait que l'État mette un peu de moyens pour mettre des incubateurs qui sont des ambassadeurs, des start-up, des suites d'accompagnement. Donc il faut qu'on mette en place des incubateurs pour qu'on montre que les entités, qu'on peut les mettre en place concrètement pour faire de ces relations des richesses. On le fait déjà avec toi, qu'on peut faire mieux. Vous savez très bien que quand le ministère a défendu son budget là-bas au MINEPAT, ils ont dit qu'on ne pourrait pas assez sur la recherche. Je crois qu'il faut qu'on balance mieux, il faut qu'on fasse mieux connaître ce que nous faisons au niveau de la recherche. Alors il faut développer la coopération avec les partenaires techniques et financiers. Pour ces partenaires, vous savez très bien qui sont les moyens. C'est la BAD, c'est la Banque mondiale, c'est Bayer, là, c'est l'AFD. Bon, vous avez des experts qui sont là. Il faut qu'on développe ça pour avoir plus de moyens pour pouvoir faire notre recherche. Oui, vous savez que l'émergence a besoin de ressources humaines de qualité. Ça, je vous le dis. Il faut des ressources humaines de haute qualité.
les ingénieurs. Donc, nous devons encore mettre un accent. C'est vraiment formidable, mais on doit encore renforcer et en mettre un accent sur la qualité. Bon, là encore, on est encore sur la diaspora. Vous savez, aujourd'hui, la diaspora pour nous aider, pour sa technologie, qu'est-ce qu'on fait? Le Cameroun a ses enfants qui sont des ingénieurs. Je crois qu'en Allemagne, aujourd'hui, on doit avoir près de 6000 ingénieurs camerounais. Nous avons des Camerounais comme les Simon qui sont conseillers au ministère américain de la Défense. Donc, c'est des enfants, c'est eux qui vont nous aider à apporter la technologie. Donc, il faut qu'on mette l'accent sur les espoirs. Il faut qu'elle est là. Au Sénégal, la diaspora apporte chaque année 1 000 milliards de francs CFA. Donc, là, le Cameroun doit encore mettre l'accent sur la diaspora. C'est eux qui peuvent nous apporter la technologie. Quand j'étais à l'Allemagne, j'ai vu des Camerounais qui travaillaient à Airbus, qui partaient plein d'avions. Il faut qu'on les fasse. Qui viennent nous aider à arriver à l'émergence. Et il y a un autre point qui porte sur la position intellectuelle. Alors, les chercheurs ne mettent pas assez d'accent sur la position intellectuelle. En pensant pour moi-même, je viens d'avoir des. Il faut que les chercheurs doivent apprendre à produire des résultats. Parce que ce sont ces résultats qui sont protégés et vendus qui vont nous permettre d'avoir plus d'argent pour faire la recherche. Donc, un ensemble doit être aussi mis pour apprendre aux chercheurs à forger leurs résultats. Alors, voilà un point qui m'a semblé important. La compétition sud-sud. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, nous sommes tous des pays sous-développés. Mais il faut reconnaître qu'il y a des pays qui sont un peu plus avancés que nous. Bon, il y a le Kenya, par exemple, le Kenya, où la recherche est avancée. Il y a la Tunisie, où la recherche est aussi plus avancée. Et puis, il y a aussi le Maroc qui est avancé. Donc, le Cameroun gagnerait à travailler un peu plus avec les pays qui sont au niveau de la terre, qui viennent nous trouver qu'au niveau, pour mieux porter la technologie, c'est mieux que les pays qui se focus sur le même niveau. Bon, il est vrai, aussi la chance de la coopération. On a des accords avec la Tunisie dans ces pays-là, mais cette coopération peut être renforcée pour mieux profiter de l'expérience. Alors, maintenant, pour la conclusion, je dis que les ménages du Cameroun en 2035, c'est une option sanitaire. Pour y arriver, il faut des efforts importants au niveau national. La recherche a un rôle à jouer. Il faudrait mieux valoriser l'état de recherche. Mettre en place des sujets d'accompagnement à l'adaptation des états de recherche. Renforcer les capacités des sujets de recherche. Renforcer la collaboration entre les entreprises et les structures de recherche. De manière particulière, pour que le Cameroun soit un pays émergent en 2035, il est nécessaire que les Cameroun changent de mentalité. Ça, j'aurais dû renforcer ça. Il faut qu'on change de mentalité et qu'il se mette au travail en luttant contre la corruption. Bon, je ne sais pas pourquoi je m'étends sur ce point, parce que tout le monde sait que un de nos problèmes, nos gangrènes, c'est la corruption. On doit lutter contre cette corruption. La recherche scientifique pourrait contribuer en apportant des innovations dans différents domaines, notamment dans le domaine agricole. Par ailleurs, le pouvoir public devrait être plus rigoureux dans la gestion des ressources naturelles. Bah, vous voyez, quand on exploite des ressources naturelles, on exploite sans plus-value, on exploite nos emplois. Donc, de plus, la nation devrait être plus réactive et créer une attractivité pour les investissements des capitaux privés et étrangers. Le Cameroun a des atouts pour être bien émergent et français, mais okay, chacun devrait jouer son rôle. La recherche est la pierre angulaire pour atteindre ses objectifs. À travers la mise au point des innovations et l'amélioration de la compétitivité dans le pays, d'où l'importance du partenariat public-privé. Sur ce, je vous remercie. J'aimerais vous remercier de m'avoir passé la parole. Aussi remercier et féliciter le docteur Dumont, que je connais depuis octobre 1979. J'ai été très impressionné aussi par ce que la recherche fait au Cameroun, par les résultats de la recherche des différents instituts, l'IRAD, l'IRGM, ainsi de suite. Et c'est un atout important. Toutefois, en termes de contribution à la recherche, je pense qu'il faut compléter le logiciel. Cette présentation a été riche en résultats de recherche, mais pas en impact de la recherche. Il faut aller plus loin
Vous avez énoncé ce qu'il faut pour l'émergence, par exemple la réduction de la pauvreté. Il faut faire le pas du résultat de la recherche à la réduction de la pauvreté. Il faut construire une théorie de changement qui nous fasse, parce que même ceux qui financent la recherche ne veulent pas financer la recherche, ils veulent que la pauvreté soit réduite. Ils veulent plus d'emplois et il faut nous lier à la réduction de la pauvreté, au sous-emploi, c'est-à-dire aux impacts de la recherche, pas seulement aux résultats de la recherche. Il faut construire, c'est une nouvelle façon de penser que tout le ministère ou bien tout le monde de la recherche, y compris moi ou les universitaires, bien souvent, doivent avoir. On ne peut pas toujours raisonner comme une thèse, comme un mémoire, mais nous lier aux impacts, à ce que signifie l'émergence de manière réelle, la croissance économique en termes de PIB, ça signifie quoi? Combien de planteurs ont adopté une nouvelle variété et comment leurs revenus sont changés? Et c'est comme ça aussi que nous allons communiquer et vendre mieux. So, when I listened to the presentation and from the title of the presentation, I was really impressed and I was so excited because I think this is a very important topic for the development of our country and for orientation of research activities. So, just as the other speakers have said, I don't want to go back to the background. I think the background that has been presented is very important for us. But as the other speakers have said, there are some key issues that we need to capture. For instance, we need to first of all think of a legal and a policy framework for research and innovation in Cameroon. Because within a legal and institutional framework, we are able to set up indicators and criteria for monitoring of research impact on development. I think we don't have a development trajectory in Cameroon, and so it's very difficult for us to measure the impact of research on our development process. So this, I think there are so many interesting activities that Minbrazil has initiated in the past. For instance, we have the Farmers Field School initiative, which has been going on for some time now. Within the Farmers Field School, we have distribution of seeds to farmers. We have the sensitization of farmers. We need to start capturing such data and so that we can be able to inform our background, to get a database for the impact of research on development. And then we also have nurturing of innovations that Minbrazil has also been pushing forward. We have to start measuring what are the innovations that have been identified, what is the level of nurturing and what is the level of maturity of these innovations, and how are these innovations creating employment, how are they changing the lifestyle of people, how are they changing our society, and how are they impacting on our cities. Because I think when we put together all of this, then we are able to really measure the impact of research on development. And finally, I think we also have an initiative, unless I'm not very clear with this. We have an initiative of a return of eminent resource persons in the recruitment profile. I think you're talking about return of some eminent research persons. I think this is a very wonderful initiative because our diaspora is a form of brain drain. But now, how do we make use of this diaspora? Sending money back home doesn't, I don't think it really helps us a lot because some of the funds that are actually sent back home is mismanaged. And sometimes they have wonderful ideas, but they come and implement them in a scattered manner that do not really help in our development. However, with the initiative of Minbrazil trying to recruit these eminent resource persons, they can actually come and then they bring in some of these innovative ideas that can help in building the country and in actually inculcating in a social media that can be adopted easily to us in the country. So to me, I think that we need to really create this legal and policy framework for research in Cameroon in order to bring up some of these criteria and indicators. Thank you very much. Je voudrais poser la question suivante. Est-ce qu'au vu de politique de réorientation générale de la nation, tuation, population, chercheur, I would not say it's too late. I think it's timely. Because to me, researcher would have been at the forefront of laying down the foundation of the vision of this country.
Well, I am Joe Richard. I forgot to introduce myself. I'm Joe Richard, Subdirector for Animal Industries and Minibia. I listened to the presenter and he talked about agricultural development. And later on, he gave certain recommendations of communicating agents, which I really appreciate. But then I did not hear the partnership with the traditional ministries, like he used to be with the PNBR program, how we went to communicate research innovations to the farmers. And I really think that there is a missing link between research and the traditional sector ministries that are the forefront of accompanying the farmers to bring about the needed change in agricultural development. You talked about several partnerships we have to develop with international organizations and so on. I really feel we need to lay down the foundation within the country before the partnership outside. You have to take note of that. You all mentioned about discipline of the country, the people. I think it's very important. But then we need that you propose the strategies, how we're going to become disciplined, how we're going to become patriotic of this very country that we call our country. I think it's very important for you to bring forth the strategies, how we're going to accomplish this. Thank you very much. Mais lorsque je suis arrivée, c'est que j'ai lu contribution de la recherche scientifique à l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Je m'attendais à voir quoi? Je m'attendais à voir le plan stratégique, ne serait-ce qu'un résumé du plan stratégique qui devait nous montrer ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire, à quel niveau on se situe exactement pour arriver à l'émergence de l'horizon 2035. Ça, je ne l'ai pas vu. Par ailleurs, je remercie également le docteur Dormo parce que j'ai été très émerveillée quand il a parlé des efforts pour l'émergence à l'horizon 2035. Et là, il a parlé du volet comportement et mentalité. Et ça, c'est vraiment très important. Je dois même ajouter qu'il faut une éducation, une rééducation. Quand je dis éducation, ce n'est pas seulement l'éducation de base, mais c'est l'éducation des chercheurs, l'éducation des fonctionnaires, l'éducation du personnel, parce qu'il faut une rééducation. Ça, c'est important. Un changement de mentalité. Pourquoi un responsable, lorsque, par exemple, il reçoit des fonds, une subvention, qu'il utilise à bon escient? Donc, c'est ça. Le second point, c'est au niveau de la sensibilisation de la diaspora. La diaspora veut rentrer au Cameroun. Moi-même, je suis une. J'ai effectué mes études à Montréal. Lorsque je rentrais, mes collègues et mes étudiants et mes camarades disaient que, mais tu vas où? Tu rentres où? Mais oui, on veut bien rentrer. On a l'amour, on est patriote pour le pays. Moi, on aimerait que lorsqu'on rentre, que ne serait-ce qu'on mette des infrastructures qui peuvent nous permettre de travailler. Je prends par exemple mon cas, je me suis spécialisée en cytogénétique moléculaire. Mais là, à l'Herbier, je n'arrive, il n'y a même pas de microscope à épifluorescence qui me permet d'implémenter toutes les connaissances que j'ai acquises. Donc on va se former, mais il faudrait que le retour, qu'on valorise la formation qu'on a acquise. L'autre point, c'est au niveau de l'impact. Parce que tout à l'heure, vous avez présenté les résultats de la recherche. Les résultats, par exemple, de l'IRAD, les variétés qui ont été mises sur pied. On se rend compte qu'il y a des variétés qui sont mises sur pied, mais la pauvreté demeure, la sécurité alimentaire demeure. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui se pose. Le problème qui se pose, à mon avis, c'est au niveau de la connectivité. Il faut un travail en réseau. Il faut un travail en réseau. Il faut que le ministère de la Recherche travaille pour son ministère de l'Agriculture afin de pouvoir valoriser nos résultats. Pas les projets. Mais l'IRAD 3, les problèmes que pose la base, c'est à partir de ce problème qu'il formule ses projets pendant 5 ans ou jusqu'à ce qu'on trouve les résultats à ces problèmes. C'est comme ça que l'IRAD travaille. Mais je comprends, c'est parce qu'il n'y avait pas aussi le plan directeur de la recherche. Chacun faisait de la recherche à sa façon. Maintenant, comme le ministère de la Recherche, qui est en charge de la recherche nationale, est en train de vouloir mettre sur pied un plan directeur de la recherche en fonction des besoins du Cameroun actuel. C'est toutes les recherches qu'ils vont faire, que ce soit à l'université, que ce soit par les chercheurs indépendants, vont dépendre de ce plan de la recherche. Bon, il a existé sur le fait qu'aujourd'hui, il fallait qu'on parle d'innovation. En fait, mais qu'est-ce que l'innovation? La recherche a pour but d'arriver à l'innovation. Quand on dit c'est la recherche en vie d'innovation, c'est pas un hasard. C'est pour dire c'est le ministère qui fait la recherche qui doit aboutir à l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation?
Innovation, ça veut dire appliquer déjà la recherche pour changer de vie, pour gagner de l'argent. Ce n'est pas sorcier. Donc la recherche a pour but d'arriver en fin de compte à l'innovation. Donc nous sommes tous dans la même zone. On n'est pas séparés. Maintenant, l'auteur Mbombo dit que la recherche n'est pas dans les SE. Je suis d'accord, ce n'est pas là. Mais je crois qu'au début de l'exposé, je vous ai présenté des extraits de la vision et du DSE. Et j'ai montré les domaines où la cheval est venue. Quand on veut la compétitivité, quand on veut augmenter les rendements, quand on veut transformer dans ce pays, qui ne peut travailler mieux que nous? Alors, et si vous dites que la chute n'est pas si importante, pourquoi chaque année on vous donne le budget? C'est clair, la loi est en cours. Mais l'État le sait, la preuve, au milieu de fruité, que ça chercheur, qui a de l'ordre, c'est pas la hiérarchie. La hiérarchie, on se connaît là. Bon, peut-être au moment de faire des SE et tout, bon. Il permet de s'oublier. Mais aujourd'hui, qu'on est en train de le faire, ça nous, aujourd'hui, à nous assurer que la recherche soit à bonne place. Moi, si vous conseille, je crois que la recherche n'est pas oubliée. Quand on voit la tendance de notre budget, bon, je crois que ce sera des où on a reçu. On est quand même passé de 3, je crois, à 12 milliards de budget avant de décider. Partout, on a beaucoup de budget. Donc, à mon avis, la recherche a vraiment sa place. Et pour encore insister, ce n'est pas un secret de savoir que la OIH a donné, je vois, 1500 000 lira, forcément, ce n'est pas ça. Alors, si on ne sait pas que l'OIH existait, pourquoi la OIH devait envoyer ton argent à l'IRA? Donc, l'OIH est là, elle a sa place. Bon, si le CNE a fait beaucoup de travaux, dans l'exposé, j'ai insisté sur le fait que l'histoire de la recherche doit être vulgarisée. Il faut communiquer. Il n'y a aucun pays émergent qui n'a pas mis l'accent sur la science. Ça, je n'ai pas mis les chiffres, mais l'innovation est importante. Oui, mais la culture de l'innovation. La culture est importante parce que la culture, ça peut être nous-mêmes avant d'adresser d'autres apports. Mais il faut l'innovation. Qu'on va être émergent sur l'innovation. Alors, nous avons tous compris ce qui attend le ministère de la Recherche à l'horizon 2037. Pour que le Cameroun atteigne l'émergence à l'horizon 2035. Et nous avons aussi compris que la science, la recherche est transversale. Tout commence par la recherche et tout finit par la recherche. Même notre culture, nous avons des problèmes parce que nous n'avons pas encore la culture de l'innovation. Il faut maintenant que tout le monde se mette ensemble pour que nous puissions entrer en... Nous puissions faire entrer la culture de l'innovation dans nos habitudes, que ça devienne pour nous une culture. C'est pour cela que nous appelons tous les ministères et toutes les parties prenantes à mettre la main dans la pâte afin que la recherche soit un moteur du développement de notre pays. Je vous remercie. By thanking the ministry, the minister who organized this conference. The conference was to show the contribution of the research to the emergency of the Cameroon. In fact, the ministry of research has started. Every 2 years, there's the JESIC, the days of innovation to show what we are doing. The minister has started the rentrée scientifique where the researchers are put up. In that line, she's following the instruction of the PM and the president of the head of state for putting research up. Okay, for today, we wanted to show how Cameroon can do to go to emergency.
Okay, now, the contribution of research. We assume that the research have done a lot of results that exist. That should be put on to push economy. Okay, boost the economy. Yeah, to boost the economy. Those results, they exist. Okay, also, we try to show what should be done in order to push the results to go quickly. Mm-hmm. For example, we should create incubators mm-hmm. of research results. Mm-hmm. You should be able to take clusters. Mm-hmm. Also, I love the Cambodian to believe mm-hmm. on emergency. Mm-hmm. So sometimes they should change their behavior. Right. Yes. So they should love their country. Because when you go to those emerging countries, you see that people, they love their country. They work hard, they are disciplined. Yes. So, and also you, the media, you should inform the population what is emergency. So the population should appropriate the notion of emergency. Yes. Yeah, we follow the questions and answer sessions during this talk. Yes. Now, is it not going to be another aspect where we've had the research, we have the recommendations, but it is not practical? Where do we practice all these recommendations that you enumerated? It is well described in your talk, but now practically, one of the concerns that the researchers and all the doctors that were sitting there was the practicality of all these studies and research that you do. After that, the practicality of these studies have already started. Okay. Once 2 years, the ministries of make GERSIC. They also make Ecole Paysanne to show the result. Okay. But that's not enough. So do they use these results? Yes, the results are used. But instead, you should go forward. Okay. You see at least a lot of results mm-hmm. in all the domains. Such as? Yes, such as agricultural research, mm-hmm. Health research, mm-hmm. ERGM research on, how do you say? Geological research. Geological research, cartographic research. All the results exist. No, now you should put emphasis. You should create incubators mm-hmm. so that those research should be taken by the business people to create, how do you say in English? Create the richesse. Okay. Yes. You see, so okay. you should be able to use those results better so that the country should have the impact of the result on everyday activities of Cameroon. Thank you. In French now. Monsieur le conférencier, maintenant on va aller en français. Vous regardez toujours la caméra de l'autre côté. Oui. Alors, on sait que la recherche au Cameroun est assez fructueuse, mais les résultats sont dans les tiroirs. Oui. Concrètement, comment atteindre l'émergence en comptant sur vous? Oui. Bon, je dis que cette conférence, en réalité, fait suite aux travaux qui sont déjà menés au niveau de la recherche par le ministre de la recherche, Dr. Madame Twente, qui chaque 2 ans est une journée d'excellence de la recherche scientifique. Aussi, elle a créé la recherche scientifique où les chercheurs sont mis en exergue. Bon, on vient de recruter 400 chercheurs qui vont contribuer à cette émergence. En réalité, elle met en pratique les instructions du PM, du chef de l'État, qui demande de mettre la recherche en haut, comme disent les Camerounais. Alors, pourquoi cette conférence? Cette conférence avait pour but de démontrer ce que la recherche peut faire pour contribuer à l'émergence. Je vous ai montré des tas de recherches qui existent à l'IRAD, à l'IRGM, Ali NPM, dans le domaine agricole, de la santé, la cartographie et la géologie. Tout ça existe. Bon, maintenant, il est question de les mettre en œuvre, de créer des entreprises qui vont mettre ce tel en œuvre pour créer des richesses. Bon, il est vrai. Bon, il y a déjà des embryons. Bon, le ministère de la Recherche est en train de mettre en place des unités de santé technologique. Mais on peut faire plus. Il faut qu'on développe le partenariat public-privé. Il faut qu'on mette les moyens. Qu'on crée des start-up, qu'on crée des incubateurs, qu'on crée des clusters pour qu'on sente l'impact de la recherche au niveau développement, pour qu'on puisse arriver à l'émergence en 2030. On sait qui? Bon, alors, les pouvoirs publics, le pays, le ministère a appliqué la politique du gouvernement, du chef de l'État, du PM. Bon, aujourd'hui, il y a encore l'espace pour que cette activité soit encore plus intensifiée, qu'on ait encore beaucoup plus de moyens au niveau de la recherche, pour que l'impact soit plus visible. Mais docteur, qu'est-ce qui coince selon vous? Qu'est-ce qui coince véritablement? Pourquoi est-ce que les résultats de la recherche ne sont pas mis à la connaissance du public? Non mais j'ai parlé de défis. Il faut qu'il y ait plus de communication. Il faut des incubateurs qui vont prendre ces résultats et déjà pour commencer à les initier avant que le public prenne.
il faut qu'on ce partenariat public-privé, bon, ça existe. On a signé une convention entre le ministère de la Recherche et le JUCAM, le ministère de la Recherche et la Chambre de commerce. Bon, maintenant, il faut seulement qu'on essaie de les appliquer pour que ce résultat-là quitte des chercheurs pour aller chez les créateurs de recherche et d'emploi. Je voudrais qu'on revienne au cœur de la centrale. Il y a une population de 146 millions d'habitants. Nous sommes voisins d'un grand voisin, Nigeria, qui a 126 millions d'habitants. Le Cameroun a des zones agroécologiques où on peut produire tout au Cameroun. Le Cameroun a une diaspora qui est importante. Notre diaspora a donné, au cours de l'année 2016, 735 milliards. Donc, le Cameroun doit dépenser ses atouts pour aller à l'émergence. Alors, il y a par exemple 6 millions d'ingénieurs camerounais qui sont là-bas en Allemagne, je prends un exemple. Alors, si demain, on veut booster ce secteur-là, il faut voir comment. Et pour faire la technologie et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, on a des atouts que très souvent, ils passent inaperçus. On n'est pas conscient qu'on les dispose. Je vais avoir votre téléphone.